Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 de la série Chantier Naval. Et donc, wow, on est sur le Titanic, donc que vous avez pu voir dans la cinématique. Hein, je l'ai refait, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai fait, qu'il est sur Minecraft. C'est juste que je pouvais pas le finir avec mon ancien PC. Donc j'ai réussi à le finir. Donc, vous voyez que bon, il y a quand même pas mal de ressemblances avec l'ancien, puisque bah c'est le même bateau, donc voilà. C'est juste que j'ai modifié certains trucs. Donc, j'ai modifié surtout les courbes, en fait. Dans la vidéo, on n'a pas. Enfin, on a un petit peu vu, mais pas trop trop. Alors attendez, je vais juste mettre de l'autre côté parce que. Voilà. Vous voyez que les courbes sont beaucoup mieux. C'est. Au début, on a l'avant. Et hop, et au fil du temps, hop, on va jusqu'à l'arrière. Et à la fin, on a une belle courbe ici. Ouais, d'ailleurs, on pourrait peut-être le modifier. Ouais, non, trop tard. C'est fini. On y touche plus. Ouais, donc j'ai quand même fait plus de RP sur le bateau. Notamment par rapport à l'avant et tout. Là, enfin, sur l'ancien, j'avais fait un peu tout. Enfin, j'ai mis plein de bordel. Je sais pas trop à quoi correspondaient les navires. Sachant que le Titanic était mon premier bateau de Minecraft, en fait. Donc ça date quand même. Ça fait un an, quand même, que je l'ai fait. Donc ouais, j'ai mis aussi les ancres. Ça rajoute du détail, ça permet d'aménager un petit peu la coque. Alors la coque est vachement vide. J'ai tenté de mettre des vitres noires colorées, par exemple les comme ça, ou les grises. Le truc c'est que ça rendait vraiment pas bien. Donc j'ai préféré pas les mettre. C'est vrai que c'est beaucoup plus plat comme ça. Mais bon, on va laisser comme ça. Écoutez, c'est pas non plus, enfin, j'avais pas, enfin, c'est pas que j'avais pas le but, enfin, c'était pas que j'avais pas le, c'est pas que je voulais pas, mais c'est pas non plus une reproduction identique, parfaite, nickel, sachant que c'est pas en, il est en x1, non. Donc je peux pas forcément faire tous les détails qu'il peut y avoir sur le vrai navire. Donc on a les cheminées. Les cheminées, je les ai pas tellement refaites. Ah si, enfin, sur mon ancien, quand on se mettait sur le côté, elles étaient vachement fines. Là, je les ai légèrement mis plus large, quoi. Et puis ça rend mieux. J'ai aussi mis les détails. Enfin, c'est pas vraiment des détails, mais c'est. Là, il y a un bloc, mais. Alors au début, le bloc. Enfin, je voulais qu'il y ait qu'un seul bloc en ouverture. Le seul problème, c'est que. Alors, je vais vous montrer avec le curseur. Seul problème, c'est que on a soit je le mettais ici, attendez, tout cassé, soit je le mettais à ce niveau-là qui faisait trop bas par rapport au plancher et trop bas, enfin trop haut par rapport au plan, enfin comment dire, c'était beaucoup trop bas par rapport à cette ouverture-là et beaucoup trop, oula, okay, les frises, c'est quelqu'un qui fait du World Edit sur Ican, y a qui? Et beaucoup trop bas aussi par rapport à cette partie-là. Et donc du coup j'ai trouvé cette combinaison en mettant des escaliers. Alors c'est vrai que ça le fait pas avec tous les packs. C'est juste que moi avec mon pack il n'y a pas de différence entre bah, les escaliers, enfin le quartz et la laine. Donc du coup ça rend beaucoup mieux. Et aussi comme ça c'est centré par rapport aux deux blocs là. Et ça c'est, je trouve ça vraiment pas mal. Alors ça c'est pareil avec mon pack, moi je vois des barrières blanches, les autres voient des barrières du Nether, donc ouais, je sais par rapport au pack de Defroy ils voient des barrières noires, donc c'est vrai que ça, ce bateau le fait pas, enfin ça, on voit pas la même chose sur tous les packs, mais bon écoutez, limite je m'en fous un peu quoi, bon c'est vrai que bon ça fait moche, mais écoutez, enfin par rapport à pour ceux qui regardent les vidéos d'Asgard. Il y a quand même une différence entre ça et le Victory d'Asgard. Hein. Je critique pas, mais enfin, je dis rien. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Bref. Bon, là, j'ai mis un petit escalier pour faire l'arrondi. Alors, les canaux, je les ai refaits. Au début, j'étais parti sur les anciens. Le seul truc, c'est qu'ils étaient pas du tout affinés. Maintenant, j'ai mis des escaliers. C'est vrai qu'à l'époque, non, les escaliers n'existaient pas en quartz, donc du coup je pouvais pas faire ça. Bah, d'ailleurs je pouvais pas se faire ça non plus.
Alors, il me semble aussi que sur mon ancien, il n'y avait pas cette vitre ici. Alors, vous voyez qu'il n'est pas du tout aménagé. Il n'y avait pas cette ligne de vitre ici. Et il y est vraiment. Hein. C'est vu que je n'avais pas la place sur l'ancien. Donc, les canaux, oui. Donc, c'est la base, la structure de base, c'est ceux du vrai, enfin, de mes anciens canaux. Il y a en plus les escaliers ici pour affiner et qui rend vraiment pas mal, qui fait vraiment le vrai canot. Et en plus, comme ça, ici, il y a des canots qui sont beaucoup plus fins, enfin, beaucoup plus petits que ces canots-là. C'est des petites barques de. C'est pas gonflable, hein. C'est des petites barques qu'il y a ici. Donc, il y en a. Au total, il y a 18 canons normalement. Alors, il y a des sites qui mettent 20 canots. Je sais pas d'où ils voient qu'il y a deux canons en plus, hein, parce que voilà. Enfin, il y en a 16. Il y en a 4 plus 4, enfin 4 fois 4 quoi, plus 2 ici, et il y en a, donc ça fait 18, hein. Il y a des sites qui mettent 20, je regarde les photos, les plans, tout pareil, j'en vois que 18, donc ouais. Alors ensuite, un truc de plus qui n'était pas sur mon ancien, c'était cette ligne de vitre ici. Bon, je suis pas trop emmerdé, j'ai pris Voxel et hop, qui en fait, ça relie en fait la ligne de radar au-dessus. Au poste de radar ici en fait. Donc le mec qui était au radar était enfin, dans la pièce qui était enfin, sous ça. Et en fait il y avait des fils qui étaient reliés au radar au-dessus. Voilà pourquoi il y avait ça. Ensuite moi bon, j'ai toujours gardé les iron bars pour les pour, enfin, pour symboliser les cordages qui tiennent la cheminée. Bon ensuite rien de très rien qui change trop juste des petits détails en plus genre les petits bancs et tout alors l'arrière était totalement modifié et j'en suis beaucoup plus fier de l'arrière parce que bah quand on se regarde enfin quand on regarde le côté du navire bah là c'est RP c'est vraiment vraiment la courbe qui était alors en plus avec les shaders c'est on voit la alors c'est un peu chelou parce que on voit le trou pour l'hélice mais ça fait le reflet en fait de. Ouais, vraiment chelou comme truc. Donc, alors, bon, au pire, je vais vous montrer sans les shaders, ce sera plus simple. Ouais, frappe ce qui met 3 points à charger le chunk. Voilà, donc vous voyez, la courbe est beaucoup plus belle. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, mais ça c'est très dur à faire, c'est la courbe ici, enfin la tronche K, l'arrière. En fait, si je veux faire. Un arrière RP comme ça. Alors, je vais mettre un speed parce que là on va de à l'heure. Hop. Si je voulais faire cette courbe ici, je pouvais pas modifier la forme qui est ici. Si vous voulez, vous pouvez voir des photos. C'est pas tout à fait comme ça. C'est moins gros en fait. C'est moins carré. Bah j'ai pas réussi. Voilà. On peut pas tout faire non plus. C'est pour ça que c'est pas une reproduction non plus parfaite. Hein. Alors le petit drapeau de. De Britannique. Oui, parce que le bateau a été fait en Bretagne, hein. Enfin en Grande-Bretagne, désolé. À Belfast, en Irlande. Hein. Bon, sinon, c'est à peu près tout ce qui a été modifié. Bon, j'ai pas du tout aménagé l'intérieur, j'avais la très grosse flemme. Mais non, en fait, je l'avais fait et tout. C'est juste que, déjà, ça m'a saoulé en fait de le continuer, enfin de le finir, parce que j'étais plus du tout motivé pour le faire. En plus, si en plus je vais faire tous les l'intérieur et tout, ah non, ça ne, non, j'ai aménagé, et encore, j'ai pas fini. Il faudrait que je fasse la vidéo, mais j'ai pas l'aménagement des bateaux, c'est vraiment pas mon truc. J'ai aménagé, j'ai même pas fini d'aménager un yacht, le Whoops, hein. Je l'ai même pas fini, je le finirai jamais parce que j'arrive pas. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Et finalement, je mets rien, donc du coup, voilà. Bon, on va juste remettre les shaders. Alors, les shaders, c'est les Nvidia Shader 1.6.2 qui sont, je trouve, magnifiques parce que. Alors, il y a. Attends, je sais pas s'il y a. Non, l'eau ne bouge pas, mais il y a un reflet de l'eau. Vous voyez que quand on se met, par exemple, si on se met ici, vous voyez qu'il y a un reflet de l'eau qui est magnifique, je trouve. Les ombres sont bien tout. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de shaders. Il y a aussi les whipsets des Chocapic, alors eux ils sont magnifiques. C'est juste que une fois que tous mes chunks sont chargés, je tourne à 25 FPS, donc c'est un peu limite avec Fraps. Bon, écoutez, on va finir la vidéo sur ces magnifiques shaders. Et déjà tout à l'heure j'étais à 50, je tourne à 35 là. C'est toc toc, voilà.
Donc, moi, je vous remercie de regarder cette petite vidéo pour vous présenter de plus près le Titanic. Donc, je peux pas mettre la map en téléchargement puisque bah, il est sur le serveur Ukancraft. Donc, à la limite, vous installez le mode World Unloader et vous le prenez directement si vous le voulez sur une map, hein. Mais sinon, vous pouvez le visiter sur le serveur Ukancraft. Donc, l'IP est dans la description de la vidéo, hein. Et donc, moi, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Puis, bah, ciao tout le monde!